parles comme un échec. Ouais, tu parles. Encore, y'en a vivé! C'est beau, hein? Non. Il avait fait ça pendant une jet des veines. Ah ouais? Ouais. Et tu vas voir, ils ont fait ça, mais il y a un passage en fait où. Où il y avait les autres qui étaient en train de jouer et puis qui l'entendaient. Tu vas voir comment ils arrivent à les entendre dans les autres bouts de la salle. Hein. D'abord, des fois tu vas les entendre jouer, les autres tu vas l'entendre gueuler au loin. Les adore, c'est comment ils crient comme un putois. C'est ce que je me suis dit aussi. Ouais. Les gens qui les entendaient à mort. J'adore là quand il s'interrompt, tu vas voir, et il reprend. Bah tu connais le Gérator. J'ai entendu parler. Eh bah tu vas voir, il dit. Tu vas voir là. Écoute. Là, tu es en train de jouer au poker, tu l'entends le MV en train de gueuler comme un putois derrière.
crois que tu sais combien ils ont réussi à récolter en l'espace de 3 jours. Celui-là n'a pas percé. Mmh. On l'a même pas éventé. On a percé leur blindage. Et puis bah, vu qu'il avait lancé une connerie à la con, je dire finalement, s'il avait sorti, j'en dépasse un million de plus, on sera tous la tête à la place. Et attends. Vu qu'ils l'ont fait, on est obligé de tracer la tête à zéro. On est cuit, tout le monde dehors. Toi tu le mets sur un jeu de pirate, lui il passe son temps à jouer de l'accordéon avec, en jouant pipé, en sentant pipé les jambes de bois. Alors. Mm-hmm. Pire c'est que sa connerie elle te reste dans la tête. Hein. Ça c'est vrai. Tu vois ça. Pipé les jambes de bois là. Pipé. Pipi jambes de bois. Et il est pas tout jeune le MV hein. T'as quel âge il a? Non. 37 ans. Ah oui. Ouais c'est un vieux streamer hein. Faire un truc avec mes chars là, ça rend voir un truc. Ça rend tester de nouveau mon char. Bah moi j'ai testé ma nouvelle boîte de vitesse pour la téléphone. Voilà. Alors si elle tient mieux les dérapages, parce que c'est vrai que des fois elle manque un peu de patate dans des dérapages. Coucou.
sais, je le visais bien. Je le visais trois fois. Et la quatrième fois, il tourne. Il tourne à tirer. Je dis coucou. Oh putain. Moi, j'ai bien aimé, moi. Ils nous ont repéré. Ah ouais. Moi, j'ai bien aimé là sur le virage. Je vais faire ça. En train de se taper sur la gueule, alors moi j'ai pu les doubler tranquillou, tu vois. Sérieux, cher, hein. Tu me vises, mais tu bouges pas. Vas-y. On n'a pas pénétré le blindage. Ah, mais sérieux, je t'ai au sol. On les tient, les gars. Ah ouais, tiens mieux le dérapage, effectivement. Le seul défaut que je peux transmettre au Forza, c'est que tu peux pas régler tu peux pas faire un réglage de pourcentage de freinage. Du style, tu sais, mettre 30% à l'avant et le reste à l'arrière, etc. Et le truc est passé aux Forza Horizon. Celui-là a ricoché. Sur les Forza Motorsport, pareil. Véhicule ennemi en combat. L'ennemi nous annonce bizarre. L'obus a ricoché. On l'a même pas éraflé. Celui-là a ricoché. Bon, moi dans le jeu, on va l'avoir. Continuez à tirer. 60% à l'avant, 60% à l'avant et le reste à l'arrière. Comme ça, la clé des vents du temps et les roues qui sont déjà accrochées à l'arrière. Oui, tu sais quoi, j'ai hâte de voir le truc. Lequel, le T95? Ouais, parce que j'ai l'impression que je me viens. Mon Sherman est bouché. Là, j'ai l'impression de jouer à la bataille navale. Là. On a pas pénétré le blindage. En plein dans le mille. Celui-là a ricoché. On l'a même pas éraflé. La chenille est touchée. Elle peut casser à tout moment. Pourquoi tu joues en multijoueur? Non, normal, j'essaie. Non, tu sais, on est très bon, mais bon, ça ne fait pas. Pénétration du blindage. Celui-là n'a pas percé. On n'a pas pénétré le blindage. Chenille endommagée. Fais une cible facile. Chenille réparée, c'est reparti. On n'a pas pénétré le blindage. Il faisait ce chien. Le T95, il est compliqué le tuyau. Chargé. T95, on va faire l'internet. Tu vises où? À l'arrière ou à l'avant? T95. Plus arrière. Et à l'avant, tu le pénètres très bien.
Oh, je prends des virages que je connais pas aussi tout à l'heure. C'est quoi? Ouais, à l'arrière. C'est fini. On est anéanti. Putain, fais chier. Sauf là, la Toyota, ça change toutes les configurations. Hein. Ah ouais? Ah ouais, je te prends des virages, mais en dérapage, mais beaucoup plus vite qu'avant. Avant, il y avait des virages, tu les prenais pas à 140 en drift. Hein. J'ai essayé de prendre plus rapidement que d'habitude, mais ça va. Pas trop perdu de vitesse. Ça pousse un peu à l'arrière. The German preemptive strike had been fierce, the Soviet losses heavy. Regardless, the orders still stood. The Russian offensive would continue as planned. Colonel Peters suddenly found himself caught up with the push towards the enemy front line. The Russian Shermans had managed to stem the German onslaught, but they lacked the necessary reinforcements to press home their advantage. One thing was clear to Peters, they needed more tanks. It was now a race against time for the Russians. They could make for the disabled tank and turn it against their enemy, or engage the German patrol directly with the remaining Shermans. Peters prayed they would make the right call. À vitesse que je roule, je peux te dire que je suis pas prêt de dormir sur mes lauriers. Sans ton moteur, comment il rugit. Tu sens, après je dis rien. Non mais attends. Peters rallied his crew. It was their turn to strike back at the Germans. Bah tu sais, je suis à combien au niveau de bracelet? C'est un niveau, c'est au niveau 389. Peters had a plan. He'd capture some abandoned tanks and turn them against the enemy. Il l'a fait à la mode à la mode russe là, avec la musique là. Oh là, il est le chef de faire qu'il traverse la route. Véhicule ennemi a été détruit. Tu pourras essayer hein, tu peux être en manuel et en changer de traction contre moi. Sérieusement. L'ennemi est hors de combat.
pour rentrer, je vais prendre un taille de l'ennemi a été détruit. The battlefield was littered with the smoking remains of German armor. Peters was thankful they had survived, just. But this day was far from over. Mission accomplie! Je croyais que j'avais les chevilles cassées. Quand je prends des virages, ça peut être bon, mais ça peut être pas bon aussi. Si elle prend plus grand le jeu, c'est-à-dire que je peux perdre aussi plus de vitesse. Ça peut être bon sans être bon. On va tester. Ah ouais, tout à l'heure, je lui pose la question à ma copine par téléphone. C'est une question vraiment con, tu vois. J'ai dit, tu sais ce que c'est un sous-marin? Elle me regarde en me disant, mais t'es con, quoi. J'ai dit non, c'est une blague. Ouais, t'inquiète pas, c'est une blague. Bon, toi, prépare-toi, je vais te mettre la poêle en pleine gueule, tu vas pas comprendre.
C'est une blague, chérie, c'est une blague. Ouais, ouais, c'est ça. Prends-moi pour conne et puis ça sera mieux. Non, c'était pas ça? Si, c'est ça. Bon, on va la tester sur circuit, là, sur course. En course. On va voir ce que ça va donner. Alors, ce que ça va répondre. C'est un char, c'est un chien de terre. C'est pas comme... L'autre il a fait un tour moins grand que ah oui
Ah oui, Toyota, alors que... C'est les trucs. Toyota Tueno contre Aston Martin DDR contre Alfa Gugliar contre Lamborghini Miura contre Jaguar D-Type contre une autre Toyota Tueno mais cool quand même. Je me permettrai pas, voyons. On roule. Tu pas comme ça. Oui, putain, le monstre il fait un vacarme de diable. Il en croirait qu'il est en train de chialer. Ouais. Tiens. Ouais, j'entends en plus dans le truc. Hein. Ah ouais, il fait des bruits. T'es en train de faire un carnage derrière. Je te dis, le mob il fait des bruits, mais un truc de ouf. Tiens! Bah bah bah! Ah, j'adore. En plus, je me suis dégoûté un peu. Je t'ai sur MRC 4, un jeu de secours. J'ai fait un fou mouvement avec la souris, j'ai tout perdu. J'ai perdu toutes les maps que j'avais gardées, que j'avais réussi à télécharger. Ah bah. Plus les véhicules de secours américains que j'ai perdu. J'ai passé des jours et des heures à modifier, etc. Et suite à un faux mouvement, ça a tout merdé. Pourquoi tu mets pas sur une sauvegarde, tu fais une doublure sur une sauvegarde externe? Ouais, mais en fait c'est avec j'ai comme sur Windows 10 à cause d'une mise à jour. Ok. À cause d'une mise à jour, ça m'a retiré toutes les vidéos que j'avais, pas une vidéo mais toutes les modes que j'avais fait. Bon, bah Aya, je crois qu'il est bientôt mort le boss. Ouais, j'ai vu. Je pense qu'une petite balle de sniper, ça lui fera le plus grand bien. Hop, on va se mettre en invisibilité, on va essayer de... Hop. Ah bah, il est mort. Ah, il a une dent contre moi, Hop. Bah je sais pas si qui c'est qui a eu la dent, mais c'est moi qui suis mort. Ah bah là, bah moi il a clapsé là. T'es où? Moi aussi. Vous mourrez monsieur. Ah, je peux pas venir te récupérer. On l'a dans le cul. La balayette. Non, c'est l'étiquette. Ah, dans le cul. Ah, en vrai. Ah, brassard violet ailleurs. Les bras. Je t'avais dit que je voulais changer mes bras aussi. Par contre, je vais peut-être tomber sur des bras féminines. Oh merde, j'ai rien pu récupérer. Ah bah, de toute façon, on va à la tour là. Je vais faire une dernière clope de la journée. Demain, on y retourne. Oh putain, le chef il m'a donné une nouvelle tronche aujourd'hui. T'as pas dans le vin. T'as pas parti, t'as tout découpé. Ah bah non, mais l'engin, c'est deux fois plus lourd que celle que j'avais avant. Ouais. Ah ouais, mais elle a une puissance. Phénoménal. Même le chef, tout à l'heure, il a voulu me montrer comment couper un rondin de bois avec celle-là. Même lui, il a eu du mal à la gérer, il a tout s'inquiété. Ah ouais, ça fait pas. Franchement, c'est mal. En vain, il fait un gros.
Eh ben je m'en fous, tu vas prendre l'autre, ça sera la tienne maintenant celle-là. Ok. Ce char, bon, il y a un char Abraham dans il y a un char Abraham dans... Regarde les bras, là ça rend mieux que l'autre, c'est plus fin. Merde. Ouais, ils sont plus fins les autres. Les autres sont plus gros, c'est chiant. Alors les autres, ouais. On dirait que j'ai chopé des bras de titan. Mmh. Moi je sais Rouen de toute façon à quoi il va jouer. T'as vu, ça fait moins beau avec ceux-là de bras. Attends, t'inquiète pas, quand je vais jouer on verra. Ah ouais, mais toi je sais directement ce que tu vas prendre. C'est quoi? Alors, toi tu vas prendre le titan, hein, le gros bourrin qui fonce dans le temps. Non mais je sais pas, je vais voir. Si t'as un truc de sniper, ça m'arrangerait. Hein. Bah chasseur. Je vais pas arriver en titan à tout démolir alors que derrière je vais me faire démolir derrière. Ah non, tu peux demander derrière, le titan il est... Il est coriace, hein. C'est une sacrée bestiau. Un sacré bestiau. Je peux confirmer, je pense. Hein. Pour le déglinguer, plus tard, faut y aller. Hein. Bien si j'aurais eu ton char là, que j'ai vu en vue que ton gros char là. Ah, dans World of Tanks. Ouais. Ah ouais, mais t'as du temps pour jouer. Il y a des ennemis dans la zone. Détruisez-les, capturez leur base. Thank you.
parce que je l'ai montré sur l'émission Histoire, le T-95, là, qu'est-ce qu'il avait. Concentrez-vous sur cet endroit. On est le petit groupe de lesbiennes. Tout à l'heure, t'aurais rigolé, il y avait un mec qui tournait autour. C'est quoi, deux minutes, pratiquement. Le mec qui nous a fait des... Concentrez votre attention ici. Ouais, c'est une fille, là. Mon perso, pourtant, j'ai un perso, tu vois, pour moi, tu vois. Ah bah putain, ils ont réussi sur les champs, les mecs, ils les armées. Ah ouais, il y en a même un qui, une fois, il m'avait dit, il m'a envie de donner des armes. Mais c'est rare. Derrière m'envoie un message et je lui dis, est-ce que t'es une vraie fille? Concentrez-vous sur cette zone. Maintenant, je suis un mec. Je sais qu'il demande les armes, je fais vraiment les armes. J'ai été gauche, quoi. C'est vraiment les armes. Énormément de portée, énormément de précision, de stabilité quand tu tires. Avec un viseur, mais tu peux voir mais super loin. Et certes, il fait un peu moins de dégâts, mais il a un avantage, c'est que quand tu l'utilises, tu as ton radar qui est toujours actif. Et surtout, t'as la capacité, bah, il s'appelle le stoïque, et la capacité stoïque, en fait, c'est un camouflage actif lorsque vous utilisez le viseur. Ouais.
En gros, tu deviens invisible quand tu utilises le viseur. Si je vais en fait, j'ai voulu retourner à ma base parce qu'on s'est fait attaquer. J'étais 5 contre 1. Ah, ils m'ont tiré tous en même temps. Ils m'ont tiré en même temps. C'est pas forcément une bonne idée dans World of Tanks, ça. Ah ouais, ouais. Quand t'es tout seul, le seul truc c'est d'essayer de te planquer le plus possible. Ouais. Bah, surtout, habitue-toi à faire ça quand t'es en bas level. Parce qu'en gros, moins ton vaisseau il prend des dégâts, moins tu dois payer après par derrière pour des réparations. Ouais. Donc quand tu te retrouves tout seul contre des gugus, t'essayes de te planquer pour pas qu'ils te trouvent, pour faire écouler le temps le plus possible. Mmh. Et des fois t'arrives en fin de temps et puis ils t'ont pas buté. Et toi, bah en gros, tu payes moins de réparations tout en perdant la game. D'accord. Ça s'appelle la technique du lâche, mais c'est une bonne technique qui marche bien. La technique du lâche. Ah, mais en fait, c'est que j'ai juste. En fait, j'avais le soutien d'atterri, mais t'as le droit de me viser en fait. En fait, j'avais atterri allié, le problème c'est qu'il tirait dans l'autre sens, je tirais dans l'autre sens, et l'autre m'a atterri, il m'a explosé, il m'a tiré dessus, mais j'ai pas explosé, mais les 5 sont arrivés en même temps. Moi, sur ce, les amis, je vais vous laisser, je vais cloquer. Ouais. Et demain, je vais sûrement reprendre ma tronçonneuse à la con. Tu vas être partout. Ah non, mais je te dis, le bras droit, il est mort. T'as chat qui t'appelle. Ouais, il a entendu que j'allais me coucher. C'est marrant, ça. On va aller dodo ? Tous les soirs, c'est pareil. Ouais. À chaque fois, tu peux demander à Aya. À chaque fois qu'il entend que je viens, tu sais, il s'en vient moi. Tout ce que nous avons à faire est de capturer l'emplacement indiqué sur la carte. Déployez-vous. Ouais, donc on peut les amis.